Nous voici revenus à notre capsule. Aujourd'hui, on va vous montrer comment économiser par ces temps durs. Alors, ici, on a un caragana arborescent avec plusieurs ronds. Vous l'avez aussi sur le caragana pendula qui a été greffé. Hein, que c'est une greffe. Comment qu'on peut repartir des caraganas? Exemple, vous voulez vous faire une haie au chalet ou à la maison ou ainsi de suite. On peut facilement les repartir par la graine, par la semence. Regardez, le caragana fait des gousses comme ça, brunes. Hein? C'est dans la famille des légumineuses. On sait qu'ils sont prêts quand vous voyez sur votre arbuste que déjà il y a quelques gousses qui ont ouvert d'eux-mêmes par le soleil puis qui veulent déjà se reproduire d'eux-mêmes. Alors, on va prendre une gousse, regardez bien. On va l'ouvrir comme ceci. Elle est réticente. Elle ne veut pas, attends. Et voilà. Voyez-vous les graines qui apparaissent comme ceci? Ces graines-là sont prêtes à la reproduction. D'accord? Donc, vous pouvez les semer, dire lève-minou, hein? C'est bien beau, mémé, mais oui, moi, face. Vous pouvez les semer directement dans un rang, dans votre bout de jardin que vous avez commencé à ramasser. Là, présentement, début septembre, vous allez voir, ils vont germer le printemps prochain, puis vous allez pouvoir les mettre en place à l'automne prochain. Fait que vous pouvez vous faire un rang. Partez-en, le taux de germination est très, très bon. Et à l'automne prochain, vous allez pouvoir déjà commencer à les mettre en place. Ils vont déjà avoir une belle hauteur, un 30 cm. Donc, si vous voulez vous partir des haies de caragana, c'est réellement pas cher. On y va, sa graine! Bye-bye!